Salut les gens, c'est Virgin94. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une démo qui est sortie hier. Ce jeu s'appelle Nioh. Alors apparemment, c'est un mélange entre Dark Souls 3 et un jeu de type médiéval japonais, enfin, si on peut appeler ça l'époque médiévale japonais. Et d'après ce que j'ai entendu dire, le jeu est un peu plus dur que Dark Souls 3. Je n'ai jamais joué au jeu Dark Souls, que ce soit Bloodborne, Dark Souls, etc., Demon's Souls, etc. Donc ce sera la première fois que je vais tester ce jeu. J'ai vu un peu un streaming hier de mon youtubeur préféré, Maximilian Dude. J'ai regardé quasiment tout son streaming et j'ai vu à peu près comment le jeu se joue. Donc aujourd'hui c'est à mon tour d'y jouer. Et bah, je vais filmer tout ça et pour vous montrer un peu comment le jeu est et comment je me débrouille. Et on verra bien si je peux faire mieux que lui. Ou tout simplement, j'arrive à m'adapter à ce genre de jeu. Voilà. Cette démo est disponible sur le PSN actuellement, depuis hier. Disponible pour une durée limitée, vous devez connecter PlayStation Network afin de pouvoir y jouer. Yes, je passe cette fonction comme d'hab. Animation, je fais des images et la même intensité. Petit écran, Nioh, démo alpha. Oui, mon game. Et Timidja. Par contre, je suis désolé si vous entendez le bruit du ventilateur derrière parce qu'il fait vraiment chaud à la Réunion en ce moment. Donc, je suis obligé ventilateur pour pas mourir de chaleur. Alors, d'après ce qu'on m'a dit, il y a plusieurs modes de jeu. Enfin, graphique, mode vidéo, mode action. Donc mode vidéo, ça veut dire réaction, mode action, ça veut dire frappe. On va prendre le mode action. On va mettre base de jeu, ce qui s'active. Type de caméra, action, classique. Affichage de ah bah c'est bon. Affichage qui va y. Son, c'est un sous. Voilà. L'écran par votre jeu, par votre online, qu'est-ce que c'est un jeu, je suis visité, d'accord. Parce qu'on peut se faire visiter, c'est chouette. Les textes sont français, dommage qu'il n'y a pas les paramètres des textes au jour. Ça te fait. Non, il y en a pas. Je vais rester longtemps là-dessus et je vais passer dans la partie. Ce produit est toujours en développement et certaines fonctions peuvent différer de la version finale, j'espère. Alors, Kuroshima est une île minuscule au large du Kyushu du Suki, dans la province Bungo, Kyushu. Elle possède un peu terre exploitable, son littoral donnant rapidement sur des falaises et des montagnes. À son extrémité se trouve un petit village de pêcheurs dont les résidents se vivent difficilement d'une agriculture de subsistance. Sur des parcelles taillées affluent les collines. Leur existence a un contraste avec celle de l'ancien village. Des mœurs trônent au sommet d'une plus de. Il semble étrangement démesuré. La petite île qu'elle demande. Cinématique d'intro, hein. En Corse. Alors notre héros c'est un genre de mix entre Gérard de Witcher 3 et
Gérard de Huit-Fafroi et l'époque médiévale. Okay. Carré, triangle, pied, rond que dalle, X, esquive. Oh putain, il perd beaucoup de sa mère rapidement lui, hein. Pierre du que dalle. Là. D'accord. Je vais passer en assistance. Alors, je vais prendre l'instance. Instance rond. Avec R1 rond. Pour passer en mode Virgile, en fait. Si je voulais faire ce niveau en mode Virgile. Et là. Un seul bloc. Non. Deux, c'est que dalle. C'est courir, je crois. Bon, on y va. On va aller dans l'équipe. On va s'équiper. Arme de mêlée. Katanas. Arme de mêlée 2, plus rien. Armure, oui. Ça, c'est des armes. Déjà, en fait, des armes. Ça, c'est des tirs. Restons les PV au moment où on l'absorbe. Alors, je peux pas passer en cette sens, c'est là ça. Je peux pas passer à la stance. Mais donc ça c'est le bonfire de Dark Souls 3. Dark Souls. Comment ça c'est que j'étais dit? J'étais ok, un visiteur. On peut invoquer des visiteurs, ok. C'est comme Dark Souls. Bon. J'ai combien de points de sang? Comment on fait pour avancer? Je sais, on peut pas. Ok. La forme. Bon, tout ça, j'ai besoin de des portes. Comment on fait pour dégainer? Ah non, c'est X. Déjà devant, il y a quelqu'un. Non, non, non. Effectivement, oui.
Mais pourquoi j'arrive pas à dégainer? C'est ça qui m'énerve, j'arrive pas à dégainer. Bon, d'accord. Oui, d'accord. Dégaine déjà de 1. Mais tu vas te dégainer, bordel. Équipé, d'accord. Mais comment je dégaine ton épée? Explique-moi comment je dégaine mon épée, s'il te plaît. Ce serait chouette. Ouais, t'es marrant. L'arme de mes... C'est pas ça que je voulais dire. L'arme de mes, je la dégaine comment en fait? Je l'ai équipé. Ah ben voilà! C'est mis les deux. Voilà. Non. Ah, il veut pas en fait. Non, tu veux pas. C'est comme ça. Donc apparemment 2 fois x, hein. En fait quand je suis touché j'éteins plus le la plus le je peux pas truc en fait je peux pas esquiver. Ah, d'un seul coup ça change, hein. Ok. Ça m'énerve que je peux pas utiliser comme ça l'épée en fait. En fait, c'est. Ah, c'est dégainé! Mais c'est naze! Je croyais que c'était une stance à la Virgile, moi! Oh putain! Je m'adègue, hein. Vraiment nul, enfin, allons-y. J'ai bloqué? Ou bien bloqué c'est là? Merde, je me suis gouré de boutons. Ok. Faut que je fasse un peu plus attention. Ça commence à être ridicule. Ouais, bloqué c'est là, ok. Le temps que je m'habitue, hein, c'est chaud. Bon, ça va, ah, le gars il respawn en plus. Oui, c'est parce que j'avais pas le choix avant. Et, ramène-toi. Au moment où je lâche le bloc. D'accord. Ça va être marrant. Elle va être marrant la démo. Elle va être extrêmement marrant.
elle va être extrêmement. Quand t'es à court de. C'est horrible quand t'es à court de. Ah, dis donc. Il faut vraiment que j'arrête de faire les cons là en fait. Faut que j'arrête sérieusement de faire le con. De faire le con, j'aime pas la manière dont il s'attaque. Oh putain, au moment où je lâche, putain, ça me saoule ça. Au moment où je lâche, le game me tue. Mais je passerai jamais ici. Hein. Je passerai jamais ici, c'est mort. Et ben, y a plus d'âme. Y a plus d'âme de mec mort. Ça c'était pas mal ça. Bon. Tant pis s'ils sont plus mal, s'ils sont plus là. Hein. Apparemment ces trucs là c'est des. L1 hein. L1 construit donc. Ouais mais ça me dit. C'est juste histoire de. Ok. Je sais pas, ça fait un genre de sauvegarde ce truc là, non? Alors, je reçois des bottes. Plus qu'ils sont un peu pire, mais je sais pas en fait. Et j'ai appris que dans les jeux Dark Souls 3, dans les jeux Dark Souls, ouais, on peut détruire les. Oh putain, sérieusement, il y a un spoon? Ah, je suis pour le massacre. Dommage. Ok. Mais pourquoi il en respawn en fait, ça, je comprends pas. Faut rien casser, c'est bon. Il y a des mecs qui sont morts, ils sont morts loin en fait. Hein. Niveau 2, ça se peut que je fasse niquer là. En fait, c'est des joueurs, c'est ça. Je viens de comprendre, c'est des joueurs. Ces gars-là, c'est des joueurs.